Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 19e épisode du Let's Play sur South Park, l'anal du destin. Dans l'épisode précédent, on a été affronter les filles du raisin, pour commencer. Ensuite, on a été nous infiltrer dans la maison de Token, là où se trouve le QG des potes de la liberté. On avait une mission à faire à la maison de retraite pour devenir membre de leur groupe avec eux. On l'a faite. Et là, on va aller vers la maison de la mère de Cartman. D'ailleurs, faut que j'aille reporter un chat chez Al Super Gay aussi. Et voilà. Ensuite, il faudra qu'on s'infiltre à l'école, au commissariat. Mais ce sera que la nuit. Et il faut que j'aille faire la thérapie de couple de Twix et de Craig. Pas mal de petites choses à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le drapeau. Mec, un coup de maître, le nouveau. Attention, à toute la bande, venez au repère du cône. On a découvert ce que savent les potes de la liberté. Toute la bande au repère du cône. Super boulot, Truc. Bon, bah, il faut que j'aille au repère du cône. Niveau 500, je suis niveau 575. On est très bien, les amis. Besoin d'un trajet. On va où, le nouveau? On va d'abord aller voir la mère du Koon. Et voilà. C'est moi, le professeur K.O. J'ai un léger problème, le nouveau. Tu sais, ces mignons immigrés que j'ai engagés, bah, je peux pas les payer parce que vous avez ruiné mes plans et moi-même, j'ai pas été payé. Et donc, il y a quelques mignons qui sont énervés. On peut se voir à la banque, ce serait vraiment sympa. K.O. terminé. Ok, donc, il y a pas mal de trucs. Bonjour, me voyez. Apparemment, Twig et Craig ont accepté de suivre une thérapie ensemble, me voyez. Tu peux nous retrouver à l'école, merci. Ouais, je vais venir. J'ai deux, trois petites choses à faire. Te voilà, Centeneur. Tiens, voilà la petite salope de négresse qui empiète sur mon territoire. Ok, je vais te lâcher. Après, je vais engager cette salope de ménagère à mon compte, si tu vois ce que je veux dire. Je vais t'éclater le bide. Vas-y, Souteneur, tu dois récupérer ces pétasses et en faire tes pétasses. Salope! C'est pas pro, frère! Je peux lui cramer la tronche. Tu vas être la pute d'une pute! Non, Souteneur, tu dois claquer les putes plutôt. Montre-leur qui est le patron. Ah, d'accord. Tu veux te la jouer en mode Cincinnati? Ok, fils de pute. Va voir ailleurs, bébé. Je vais te refaire le cul, frère. J'espère que toi aussi t'aimes quand ça fait mal, chérie. Salope! Trop violent! T'es en train de prendre cher, mon beau. Corrige-les pour leur montrer que t'es un bon souteneur. Ah, ok, j'ai compris. Je pense avoir compris le truc. Je vais rester à distance. On va faire fin du tour. Voilà, elle va taper pour moi. Oh, y a pas moyen. Oh, oh putain. Ah, par contre, si je la tape, elle va être KO. Alors, ce qu'on va faire, on va faire fin du tour, on va rester écarté. Je vais me contenter de rester là et d'être belle. J'ai pas le temps de perdre mon temps. Ah,
Oh, voilà une belle baffe. Écoutez les nouvelles putes, ici, c'est moi la meilleure gagneuse. Ok. Ça c'est fait. À la limite, je vais faire toutes mes petites... Je vais faire toutes les missions annexes là que j'ai à faire. Patron, faisons un selfie avec notre nouvelle famille. Bien sûr que je me prendrai un selfie, chérie. Youpi! C'est bon, papy. Bien, papy. Photo de famille et toutes ces conneries. Youpi! Merci, papy. Je peux retourner bosser? Oh, souteneur, on va te rapporter beaucoup d'argent. Ouais, le pied du fric, du fric, du fric. Salut, maman. Oui, trésor. Pourquoi il y a des prostituées et un mac mort dans la maison? Oh, ce ne sont que tes tantes et ton oncle, mon ange. Ok, qu'est-ce que Trouduc fait ici? Je t'ai laissé des friandises dans la cuisine, trésor. D'accord, maman. Continue la recherche de followers, Trouduc. Ok. J'adorerais faire une photo avec le copain Peter Derry. Youpi! Merci encore, souteneur. Donc, faut que j'aille à l'école. Ensuite. Il faut que j'aille à la banque et puis à l'école. Donc, on va faire ces missions-là. Guerre thérapeutique, il faut que j'aille à l'école. La mission de Cartman, on la fera après. Hé, le nouveau, je t'emmène où? C'est super! Même si je suis assez au bon niveau pour faire la mission de Cartman, je préfère être tranquille et puis faire les petites missions annexes. À plus, le nouveau. Oh, eh bien, les garçons et moi, nous sommes au gymnase pour quelques exercices de thérapie, vous voyez? Tu peux nous y retrouver? Tous les trucs que je répare à chaque fois. Je pense que vous l'aurez compris. Ça, j'en ai 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ah, ça j'en ai déjà un. Ok. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je peux peut-être même augmenter mes capacités. Plus 25 partout, ça m'intéresse pas spécialement. J'ai pas fait attention.
Non, j'en ai qu'un seul, donc j'allais dire je peux monter mon truc. Mais non. Et ça, je pense que j'en ai. Non, je suis toujours au niveau 100. Là, il n'y avait rien à prendre. Donc, ils sont au gymnase. On regarde quand même un peu s'il n'y a rien par là. Ok, allons au gymnase. Ah, te voilà, toi. Eh bien, viens t'asseoir. Vous voyez, apparemment, il y a une légère querelle, vous voyez. Craig et Twig ont accepté de suivre une thérapie si tu y assistes, le nouveau, vous voyez. Alors, Craig, qu'est-ce que tu as à dire à Twig? Je crois surtout que c'est lui qui a des trucs à me dire. Vous voyez, Twig, tu veux commencer? S'il la joue comme ça, j'ai rien à lui dire. Vous voyez, eh bien, peut-être que... Le nouveau, si tu nous faisais part de tes réflexions... Vous voyez, ça ne se passe pas très bien. Bon. Les garçons, j'aimerais qu'on fasse un exercice, vous voyez. J'ai demandé à des enfants de nous aider. Quand on veut faire une thérapie, la première chose à faire, c'est se débarrasser des reproches, vous voyez. Alors, lâchons nos reproches. On les lâche, c'est à vous, les reproches. Vous voyez, et ensuite, dans une relation, on a les attentes, vous voyez. Parce que les attentes mènent aux reproches. Ce qui, bien sûr, conduit aux accusations. À vous, les accusations, vous voyez. Et tout ça aboutit nécessairement au sentiment de persécution et au repli sur soi, vous voyez. Maintenant, il faut triompher de tout ça, vous voyez. Vous êtes prêts? Cassez-leur la figure! Ils sont là, allez-y, Twig et Craig, mettez-leur une raclée, toi aussi, le nouveau. Ok. On va danser! Enfin, pas littéralement, parce que je danse pas. On va cogner! Lâche-toi, le nouveau. Ça, ça devrait le faire, je pense. Venge-toi de cette petite merde, ouais! 1, 2, et... La tempête se prépare! Ouais, chope cette petite ordure! Moi aussi, j'ai des besoins, tu sais! Ça fait du bien, hein? Oh non, personne n'aime la persécution! Ça y est, la persécution donne des coups bas! Oh, et voilà une autre accusation! Oh, Dieu merci! Les reproches vont frapper! Super Craig! Plutôt Stupid Craig! Ok, t'as l'air geek. Méga coup de poing! Ça apprendra aux attentes à être irréalistes. Et de moins. Les attentes sont coriaces, pourtant. Il y a toujours des attentes. Ah, ah ouais. Oh, mon Dieu! Vous devez travailler main dans la main si vous comptez éliminer toutes ces attentes, vous voyez? Oui, il a raison. Hein? Ce n'est qu'en restant solidaire qu'on se débarrassera de ces attentes et de tout le reste. Craig! Ouais! On y va, Craig! Trop de pression! Je me doutais que ça allait être un truc comme ça, qu'ils allaient mettre un des yaoi ou... La petite musique sympa en plus. C'était magnifique, les garçons. Maintenant, foutez-leur sur la gueule! Méga coup de poing! Punir sans bannir! Belle victoire! Encore un artefact de niveau 100. Ce qui est cool, c'est qu'on se rapproche petit à petit du niveau vous supérieur. Vous sentez mieux, non? Ouais, c'est vrai. Moi aussi! D'accord, alors revenez me voir si vous avez besoin de conseils, vous voyez. C'est fini, et merci de ton aide, le nouveau.
Ouais, mort aux attentes. Merci de nouveau. Il reste du chemin à faire, mais je crois qu'on en a tous les deux envie maintenant. Viens, Greg. Je vais te rendre ton ordi. C'est notre ordi, Twig. Il n'y a toujours rien à faire là-dedans. On devrait faire un selfie, le nouveau. Je suis genre culturellement jeune, vous voyez. Youpi ! Allez, direction la banque. T'as besoin d'un trajet express ? Ouais. À plus, de nouveau. Non, pas ça. Faut la soufflante. J'espère que t'as de la monnaie, parce que c'est pas ici que t'en auras. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que ça changera quelque chose? Ton cul est génial, mec. C'est pas juste, je savais pas que ton postérieur avait de vrais pouvoirs. Je me tire. Par ici, vous voyez? Il est là. Merci d'être venu, le nouveau. Très bien. Alors, ceci est la personne qui doit signer avec toi? Eh ben, c'est bien ça. Vous voyez, j'ai engagé des mignons pour m'aider à détruire la ville. Mais mon plan n'a pas porté ses fruits et je n'ai pas de quoi payer ces mignons. Bon, eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est créer pour toi une société qui servira à alimenter un compte co-signé par ton ami, dont la maison servira de garantie à une société d'investissement à l'étranger. Et c'est parti! Qu'est-ce qui est parti? La maison de ton ami, elle est partie. Elle appartient à une société de Hong Kong, Matt. Merci et bonne journée. Mais je voulais juste payer mes mignons. Je ne voulais pas qu'on prenne la maison de mon ami. Oui, tu n'es pas très doué pour ce petit jeu économique. Peut-être que ton ami devrait jouer. Ouais, vas-y, joue le nouveau. Elle tourne et tourne, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Vas-y, petit, tente ta chance. Désolé pour la sonnerie. C'est parti, où va-t-elle s'arrêter? Seul le générateur de nombres aléatoires le sait. Tape sur avancement de classe et passe au prochain niveau économique. Mais fais faillite et tu redescendras d'un niveau. D'accord. Crotte de bique alors? Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est de l'immobilier. Tu as maintenant le bonus de caution des contribuables. Si tu tombes sur faillite, ce sont les contribuables qui prendront. Pas de casse pourri, pas de casse pourri. La roue s'arrête sur des fonds indiciels. Oh, vente à découvert. Pendant un tour, les faillites deviennent des investissements. C'est risqué. De bic alors, qu'est-ce que ça va donner? Du soja à terme. Tu as le bonus d'investissement réactif. La prochaine case sur laquelle tu tomberas vaudra le triple. Non, j'aurais dû prendre. Et on a un bonus en jeu. Et tu as réussi. Wouhou! Et on a un gagnant. Ces gamins viennent d'obtenir un prêt de 80 000 dollars pour payer des mignons. Vous aussi, vous pouvez gagner. Continuez à jouer. Voilà le chèque, petit.
Ouah, merci beaucoup, le nouveau, t'es vraiment doué pour ça. Allez, viens, on va donner ça à mes mignons. Désolé, faut pas qu'on me voie sur les réseaux sociaux avec quelqu'un de ton milieu. C'est-à-dire quoi, c'est quelqu'un de mon milieu? Pense à ta tirelire, mon ami. Qui sait quand la bulle du combat contre le crime va éclater? Oh, bon sang, c'est le moins que je puisse faire. Ah, merci, madame. Youpi! Vous êtes pas comme votre collègue. Allez, on redescend sur Terre. Y'a rien d'autre à prendre. Mais c'est pas... Non. Ah si, là y'a un yaoi. Ah. Bon là, c'est les putains de gamins qui ont payé les travailleurs immigrés. Oh, c'est encore les beaufs. Ils ont carrément pris un emprunt pour payer ceux qui viennent du Mexique. Vous savez ce que ça veut dire? Ils ont pris nos boules. Ils ont pris nos boules. Attendez, je croyais qu'on était en colère à cause de leur choix de genre et de sexualité et tout ça. Non, ça c'est les autres gars. Nous on veut juste récupérer notre travail. Oh, ben on récupère notre travail et on se moque de leur forme d'identification personnelle. Allez les mecs, montre-leur ce que valent des minions made in America. Ah, j'ai pas fait attention que j'étais en avec... En parlant de minions... J'ai pas fait attention que j'étais avec les potes de la liberté. Ok, je peux invoquer des mignons. Il a pris nos boulots de minions. Il a pris nos boules. Pris nos boules. C'est n'importe quoi. J'ai raté. Je vais vous botter le cul à coups de... Désolé pour ton tour. L'Amérique a été bâtie par des Américains, pas par des mignons. Micro-agression, frappe-le. Ça fait longtemps qu'on avait eu. Oh. Je m'inquiète pour toi. L'Amérique, aime-la ou va chier, socialiste. Ça va aller, le nouveau. Voiture. Tu veux mourir ou quoi? Por qué me están pegando los niños blancos? Qui veut une glace? Oh waouh, j'aimerais pas être à la place de son calbus. Tu nettoies le monde au profit du chaos. Encore un de moins. Mauvaise nouvelle, vilain. Je suis un gentil maintenant. Pour le chaos! Cool! Est-ce mon tour? Mince! Tu l'as fait voir, mec! Thomas! Thomas! Les potes de la liberté gagneront. Aïe. Ok, reprends-toi, prof. Qui veut voir des beaux garçons à l'action? Ça en touche qu'un. Voilà le tonnerre. Si ça touche qu'un bonhomme, ça ne m'intéresse pas. On est en invalidité. Alléluia. Pareil, là, ça en touche qu'un. Ça en touche qu'un. Ce que je vais faire.
Très bien. Mise à niveau de Super Mecha prête. Et maintenant ? Ah bon, on va la mettre là. On va mettre une tourelle mitrailleuse. Hé les mecs, vous voulez voir mon marteau de chaos? Il est super cool. Ok, on va avoir battu les beaufs. Notre probabilité de survie est de 90,6%. Ah, pas cool! Ça me chagrine de ne pas avoir assez de boulot à confier à mes mignons. Mais merci encore de nouveau! Qui sait, peut-être qu'on fondera notre propre légion de super vilains maléfiques un jour. Ce serait top, non? Bye! Ah bah, je crois que j'ai fait toutes mes missions. Enfin, toutes les petites missions annexes. Ah, ça, j'en ai déjà un. Par contre, celui-là, je l'ai pas. Ça, je pense que je les ai. Oui, mais je les ai, ils sont juste équipés. C'est dommage qu'ils mettent pas s'ils sont équipés ou pas. Parce que celui-là, j'en ai un. Ah, quoique, je les ai peut-être pas. Je l'avais pas, j'ai dit des bêtises. Grande puissance. Mettre la pomme de terre au niveau supérieur. On s'en fiche un peu. Artefact, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les artefacts? Ok. Oui, je voulais voir la carte, moi, tout simplement. Hop, va au repère du Koon. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va aller faire. Il faudra un costume de flic, je pense. Boutique de bébé. Ah, il faut que j'aille chez Al Super Gay, en plus j'avais dit. J'avais dit que j'irais. Quel
quelqu'un a demandé un voyage express? Et voilà! Parce que j'ai encore un chat à lui rapporter. Il me manque encore quelques minous. Tu en as vu d'autres? Bah non. Oh non, j'ai de la crème sur mes chaps. Entre l'arrêt de bus et l'école. T'as besoin d'un trajet exécutif. On va aller vite fait à l'école, comme il donne des conseils. Entre la réduce et l'école. Il doit y avoir un chat quelque part. À plus. Parce que je l'ai pas déjà récupéré, je sais pas. Je pense que j'ai déjà récupéré vu qu'il y avait une branche là. Lui a rapporté son chat. C'est plutôt cool ce genre de mission où on nous indique un peu où se trouvent les trucs, comme pour les affiches qu'il fallait recoller. Besoin d'un trajet. On va où le nouveau? On retourne chez Al Supergay. C'est génial. Et voilà! Après, on va aller au repère du Koon. Hé, jeune super-héros! Il ne me manque plus qu'un seul minou! Tu peux le retrouver avant ces satanés sixièmes! À la limite, on va faire ça, on fera le Koon au prochain épisode. Tu peux me dire où est ton chat? Instagram, est-ce que j'ai des infos? Bon, apparemment, je n'ai pas d'infos. On aurait... Je suis le plus rapide de la ville. Bon, dans ce cas-là, on va aller... Ah, je sais pas si on va aller chez Cartman tout de suite. À plus. Ça sent la mission un peu longue. On va retourner chez moi au coffre, récupérer un peu du... de matériel. Parce
Est-ce que mes parents étaient encore en train de s'engueuler ou quoi? Va-t'en, mon cœur. Maman a besoin de pleurer. D'accord. Les amis, cette fois-ci, ce sera un épisode assez court, mais ce sera assez bien comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Sauce Park, l'île du destin. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.